Bonjour. J'espère que vous m'entendez. Je vous laisse envoyer un message avec votre nom, comme d'habitude. Alors aujourd'hui au programme, on va corriger, je vous avais laissé un exo encore pour s'entraîner un petit peu. Et je vais donc corriger cet exo, puis passer au TP du jour. Alors l'exo, c'était le 29, page 137. Sur les équations chimiques et l'utilisation également des moles avec les nombres stéchiométriques. C'était cet exo. Je pense que j'espère que vous avez eu le temps de le regarder. Bon, très bien. Je regarderai de toute façon. L'important, c'est que vous m'écriviez votre nom, comme ça après, je revois et puis effectivement, j'irai plus loin dans la vidéo pour voir. Merci. Donc, on vous disait. Le 29, je pense que vous l'avez sur votre tablette. On vous parle d'une solution. C'est un devoir là-dessus, vous pouviez vous référer à ce devoir pour avoir la formule, sinon vous la trouvez sur le net de toute façon, qui équipe certaines voitures diesel afin de réduire les émissions d'oxyde d'azote. L'urée chimique est produite à partir de l'ammoniac liquide et du dioxyde de carbone. Il n'y a pas écrit, mais c'est gazeux puisqu'on vous parle de haute pression et de température élevée. Et on dit qu'on part d'ammoniac et de 2,0 mol de CO2. Alors, petit 1, écrire l'équation ajustée de formation de l'urée, sachant qu'il se forme également de l'eau. L'urée est formée, on vous dit, à partir d'ammoniac et de CO2. Donc, on écrit NH3 plus, alors c'est liquide, à la limite, bon, c'est pas NH3 liquide, plus CO2. Faut être bien plus de mal. Plus CO2 gazeux donne. Eh bien, on vous dit de l'urée, qui est C4, CH4N2O, plus, on va dire, liquide, plus de l'eau liquide. Ah, on va peut-être pas tout voir là, en fait, c'est vrai. Si, ça rentre. Alors, comment on ajuste ça? Eh bien, on peut remarquer qu'ici, il y a deux fois l'élément azote. Et ici, il n'y a qu'une fois. Donc, on peut multiplier cette molécule par deux. On peut commencer par ça. Qu'est-ce que ça nous donne ensuite? Qu'est-ce que ça nous donne pour l'hydrogène? Ici, là, donc je reprends. On ne voit pas très bien. Ok, je vais écrire le deuxième ligne en dessous. Effectivement, ça fait trop large, trop long. Je vais rapprocher ceci. Voilà. Parce qu'en demi-tableau, c'est suffisant. Et donc, de l'autre côté, il y avait la flèche. Là, je pense que vous arrivez à voir. Voilà. Donc, ça vous donne. Ça nous donne l'urée, le CH4 N2O. Alors je prends liquide, en fait, il faudrait vérifier qu'il soit formé liquide ou pas gazeux ou même solide. Et on disait qu'il y avait aussi de l'eau liquide qui se formait, qui était produite. Alors comment on équilibre? Je suis parti de la remarque qu'ici, il y a deux fois l'élément chimique azote. Alors donc on est à droite de la flèche, on est à droite de l'équation, alors qu'à gauche de l'équation. Et tout à l'heure, il n'y avait que NH3, donc il n'y avait que 1 en azote. Donc on a multiplié 2 pour avoir deux fois l'élément chimique azote. Si on fait ça, le problème, c'est qu'on fait aussi par 2 l'hydrogène. Donc ça fait 2 fois 3, 6 hydrogènes. Et ici, on a combien d'hydrogènes en tout? On a 4 plus 2, 6. Donc là, ça tombe bien. C'est équilibré pour l'hydrogène aussi. Pour l'oxygène, on a 2 oxygènes ici. Et donc deux oxygènes avec le CO2. Et ici, on a un oxygène ici et un oxygène ici. Ah, donc finalement, c'est bon. Il suffit de multiplier l'ammoniac par deux pour équilibrer l'équation chimique. Donc là, c'était bon, pas vraiment problématique, mais
toujours est-il qu'il faut le faire. Deuxième question. Calculer la quantité de matière en ammoniac nécessaire pour consommer entièrement le dioxyde de carbone. Alors, on vous dit qu'on part d'une quantité de matière en CO2, NCO2, environ 2,0 mol. Et c'est tout ce qu'on vous dit. Alors, comment trouver la quantité de matière en ammoniac qui permettrait de consommer la totalité de ces 2 mols? Eh bien, on va utiliser naturellement l'équation chimique, puisque la lecture des nombres stéchiométriques, qu'est-ce qu'ils vous disent? Selon l'équation chimique, 2 mols d'ammoniac réagissent avec 1 mol de CO2. Donc, selon... Selon l'équation chimique, deux moles de NH3 réagissent avec une mole de CO2. Bon, autrement dit, il faut deux fois plus de NH3 que de CO2 pour être dans les proportions stéchiométriques, pour que ça réagisse en totalité, pour que les deux réactifs soient limitants, si vous voulez. Donc ici, tout simplement, comment on conclut? Donc, 2,0 mol de CO2 réagissent avec... Donc on a dit que 1 mol de CO2 réagissait avec 2 mol de NH3. Donc 2 mol de CO2 ben, réagit avec 4,0 mol d'ammoniac. Qu'est-ce qui se passe si vous mettez 3 mol d'ammoniac? Ben, comme pour réagir pour 1 CO2, il faut 2 d'NH3. Donc si vous mettez pour 2 mol de CO2, si vous mettez que. Non, pardon, pour 2 mol de CO2, il faut 4 mol d'NH3. Si vous mettez que 3 mol, ben, il n'aura pas assez d'NH3. L'NH3 sera en défaut. Inversement, si vous en mettez 5, vous avez les 2 qui vont réagir avec 4, et comme il y en avait 5, il en restera. Donc avec 1 et 2, et ici donc pour... pardon, je ne vois pas la fin. Ouais. Donc pour 2 mol de CO2 réagissent avec 4 mol de NH3. D'accord, c'est ce que je disais. À chaque fois, alors oui, à chaque fois, ça dépend des équations. Il y a un 2, parce que là, il y a un 2. C'est parce que dans l'équation en haut, il y a un 2 et qu'il y a un 1 ici. S'il y avait d'autres nombres stoichiométriques, il aurait fallu d'autres rapports. Mais ici, oui, ici, il faudra à chaque fois le double de NH3 par rapport au CO2 pour que ça réagisse en totalité. Alors, ici, là, l'équation chimique dit que 2 mol de NH3 réagit avec 1 mol de CO2. Voilà pourquoi il faut le double. Il faut deux fois plus de NH3 que de CO2. Voilà pourquoi il faut, selon les nombres stéchiométriques, les nombres de l'équation, là il y a un 1 qu'on n'écrit pas, on les interprète comme ça. Il faut 2 comme ça et 1 comme ça pour réagir en totalité. Ou alors si vous voulez, 2 NH3 réagissent avec 1 CO2. Donc si on en met ici 2 et 1, à la fin il n'y en a plus. Les deux ont réagi avec le CO2. Mais si vous en mettez ici 4, ben, comme 2 réagit avec 1, 4 réagit avec 2. J'ai mis 2 CO2, oui, il y a 2 CO2. Il y a toujours deux fois plus de NH4 que de CO2, de NH3 que de CO2. Selon l'équation, 1 CO2 réagit avec 2 NH3. Donc si on part avec 6 CO2, eh ben, ça va réagir avec 12 NH3. Ah, attention, il y a deux choses différentes. Pourquoi on changerait? Eh bien, ici,
l'équation chimique nous dit simplement qu'il faut deux fois plus de NH3 que de CO2, en fait. Elle veut dire ça. Mais après, ça ne nous dit pas combien on en met. Nous, on décide de combien on en met, selon ce que l'on veut. On peut en mettre une tonne de NH3. Généralement, dans l'industrie, ils en mettent des tonnes. Ils en mettent des valeurs qui sont, voilà, très différentes. Donc, une tonne, donc beaucoup de moles, des centaines de moles. Le fait est que deux moles comme ça réagissent avec une mole comme ça. Donc, si on en met un certain nombre ici, ça va réagir avec moitié moins de CO2. Si on en met ici, si on en met deux, ça réagit avec 1. Si on en met 10 moles, ça réagira avec 5 moles de lui. Il y a deux choses différentes. Il y a les nombres stéchiométriques de l'équation qui vous disent en quelle proportion ça réagit. Et il y a une deuxième chose, c'est combien on en met. Et si on en met 10 et 10, par exemple, qu'est-ce qui se passe si on fait 10 et 10 ? Les 10 ici vont réagir avec 5. Et puis, comme il y en a 10, il en restera 5. Il y avait 10 au début, moins 5 qui ont réagi, il en reste 5. Alors qu'ici, il y avait les 10 qui ont réagi en totalité, il en reste 0. Et bien, l'exo, il vous le dit. L'exo, il vous dit, on part avec 2 moles de CO2. Dans l'exercice, vous aurez vos quantités de matière. Si vous regardez votre exo, il vous dit, l'urée donc est produite à partir d'ammoniac et de 2,0 moles de dioxyde de carbone. Donc, on part de 2,0. On sait qu'au début, on avait 2,0 moles de lui. Et donc, comme un comme ça réagit avec deux comme ça, les deux réagissent avec 4. Donc, je sais qu'il fallait 4 parce qu'on vous dit qu'on veut faire réagir en totalité et pas plus. Ben, s'ils sont tous les deux à 10, il en aura encore du CO2, puisqu'il en faut deux fois moins que le NH3. Donc 2 pour 1, si je pars de 10 à l'état initial. État initial, on a 10 et 10. Comment on trouve ce qu'on a à l'état final, ce qu'on a à la fin? Pour bien présenter, il faudrait faire des tableaux un petit peu comme ceci. Donc on en a 10 et 10, on sait que 2 réagit avec 1. Donc 10 réagit avec 5. Un résultat de donc, recherche. Ici, vous avez vos 10 moles qui réagissent avec 5. Donc là, sur les 10 de départ, il y en a 5 qui réagissent. Donc il y en a 10 moins 5, il y en a 5 qui restent. Et ici, les 10 ont réagi. Ensuite, bon, c'était tout pour l'exo. On peut prendre après de. Voilà, ça fonctionne systématiquement comme ça. Si vous voulez, on peut enfin, si vous, je vous donne un autre exemple, si vous voulez, avant de passer au TP. On peut prendre un autre exemple. On va faire. Exercice, si oui, on fait réagir. On fait réagir du diazote gazeux et du dihydrogène. Gazeux. Décidément, je vais l'utiliser. Et H2 gazeux. Et ça nous donne, on vous dit que ça nous donne, ça forme de l'ammoniac, NH3, gazeux. Première question. Trouver l'équation chimique. Deuxième question,
trouver l'état final. Si on mélange, si on mélange 3,0 mol de N2 et 3,0 mol de H2. Donc, je vous laisse réfléchir à ceci. Quelques instants. Qu'est-ce que ça peut donner comme équation? Est-ce que vous auriez des propositions pour la question 1? Alors donc N2. Ah, on ne peut pas faire N plus H3, ça n'existe pas ça. On est obligé d'utiliser E au départ. On est obligé d'écrire N2. Pas le choix là. N2 plus H2. On mélange ces deux gaz. Et même. On est obligé, enfin, il vaut mieux préciser l'état. N2 à l'état gazeux plus H2 gazeux. Là, il n'y a pas le choix. Et ça va donner du NH3 gazeux. Ça, il n'y a pas le choix. Ce sont les réactifs et les produits. Et le produit. Maintenant, à partir de ça, il faut équilibrer. Qu'est-ce que ça peut nous donner? Ah, oui. C'est ça. Et c'est marqué quoi après l'état? Ah, l'état final, d'accord. Pardon. L'état final. Donc, N2, voilà. Jade, c'est ça, voilà. Tout à fait. N2 plus 2H2. Alors, 2H2, ça ne fait que 4, oui, c'est ça, 6. Donc, on a ici un atome d'azote. Pardon, 2 fois l'élément chimique azote. Il y a N2, et ici il n'y en a qu'un. Donc a priori, on va mettre un 2 ici pour avoir deux fois le N. Vous avez donc 2N ici, il nous faut 2N ici. Mais si on fait ça, ça nous fait 2 fois 3, 6 hydrogènes. Donc il nous faut 6 hydrogènes ici. Et quand on a H2, on multiplie par 3. Voilà, 3H2, c'est ça. Ensuite, question 2. On vous dit qu'on mélange dans l'état initial. À l'état initial, on mélange 3,0 mol et 3,0 mol. Donc au début, il n'y a pas de lui. On pourra trouver même à l'état final comment il se forme le NH3. Ce n'est pas demandé. Comment trouver l'état final? Alors pourquoi ça devient 2NH3? C'est parce qu'ici, il y a deux azotes, il y a deux azotes, deux fois l'élément chimique azote, N, et qu'ici, si on ne met pas le 2 devant, il n'y en a qu'un. Donc, on multiplie par 2 pour avoir deux fois N, deux fois azote. Mais si on fait ça, la conséquence, c'est qu'on doit avoir deux fois le NH3, et donc on a deux fois H3 aussi, on a 6 hydrogènes. Donc, on met un 3 ici pour avoir 6 hydrogènes. Donc le 2NH3, il vient du fait que là, il y a N2, donc il nous faut 2N aussi, donc on multiplie par 2. J'espère que ça va pour ça. Le 3 du départ. Ah, si c'est le 3 mol, il vient ici, ça n'a rien à voir. Les mols, c'est ce qu'on mélange. Il y a une chose, c'est l'équation chimique avec les espèces chimiques. Et après, le 3 du départ, le 3 dont j'ai parlé, il serait ici et ici. C'est ce qu'on mélange, on a mélangé 3 mol avec 3 mol. Je fais un tableau pour montrer l'état initial, d'où on part, les quantités de matière qu'il y avait au départ. Au début, au départ, à l'état initial, on a 3 mol de lui et 3 mol de lui, c'est ce qui est écrit ici. On mélange 3 mol de N2 et 3 mol de H2. On a 3 mol de N2, 3 mol de H2, ils sont ici.
3 moles et 3 moles. Et on avait zéro, ils n'étaient pas encore formés d'ammoniac. Et on veut trouver, c'était l'état initial. Et maintenant, on va trouver ce qui est à l'état final. Voilà, avec l'état final, ES. Donc, comment est-ce qu'on trouve cet état final maintenant? Sachant qu'on part avec 3 et 3. Alors, attention, là, j'ai fait exprès de prendre le même, parce qu'on pourrait dire, avec comme il y a la même quantité, à la fin, ben, il n'y en a plus. Ils sont dans les bonnes proportions. Mais non, puisque vous voyez que 1, N2 réagit avec 3 H2. Donc, on n'est pas dans les proportions stéchiométriques. Quand, avec 3 et 3. Quand, si vous aviez 1 comme ça et 3 comme ça, ce serait bon. Il n'y aurait plus à la fin, ni de lui, ni de lui. Pour la case du milieu, c'est 3,0. Je vais tâcher de rafraîchir encore. État initial. État final. Alors maintenant. Donc, est-ce que quelqu'un a une proposition pour la fin, ce qu'on peut écrire? On sait que une mole de N2 réagit avec 3 moles de H2. 1 réagit avec 3. Donc, 3, ça doit réagir avec 9. Donc, on voit qu'ici, il n'y en a pas 9, il n'y en a que 3. Donc, c'est lui qui est en défaut, c'est lui le réactif limitant. Donc, il y aura 0 à la fin. Là, je sais qu'il y aura 0. Parce qu'il n'y en a pas assez. Puisque si j'interprète l'équation chimique, elle me dit que le 1 qui est ici, qu'on n'écrit pas, ça veut dire si j'ai une mole de lui, alors ça réagit avec 3 moles de lui. Donc si je pars de 3 au lieu de 1, ben, j'ai multiplié par 3, je multiplie tout par 3. Donc, si je pars de 3, je vais devoir en avoir 9 ici. Ah, mais je n'en ai pas mis 9 au départ. Je n'en ai mis que 3 moles. Donc c'est lui qui est le réactif limitant, c'est lui qui est le réactif en défaut. Donc à la fin, il y aura 0 et je vais pouvoir trouver le reste grâce à lui. Donc ici, 3 réagit avec 1. Donc 3, ça réagit avec 1. J'en avais 3 au départ. Il y en a 1 qui a réagi. Donc il en reste 2. Et pour raisonner, on raisonne toujours à partir de réactif limitant. 3 donne 2 ici. Bon, donc 3 va donner 2. Donc je reprends. Selon l'équation chimique, 1 mole de lui réagit avec 3 moles, mais on en a mis 3, donc ça devrait réagir avec 9 moles. Or, on n'a pas mis 9 moles ici, on en a mis que 3 moles, donc lui, il n'y en a pas assez. C'est lui qui est en défaut, c'est lui le réactif limitant, c'est lui qui fera la fin de la réaction, c'est lui qui marquera la fin de la réaction. Donc, on va raisonner à partir du réactif limitant. Si on sait qu'on a maintenant, lui, on en a 3 moles, c'est le réactif limitant, on sait que 3 réagit avec 1, donc 3 réagit avec 1. Ah, mais on en a mis 3, il y en a trop. Il y en a 1 qui a réagi, sur les 3 de départ, il y en a 1 qui a réagi, il en reste 2. Donc à la fin, il restera 2 comme lui, lui, il n'y en aura plus. Et pour trouver ce qui s'est formé, on raisonne à partir du réactif limitant. On sait que 3 donne 2, donc 3 va donner 2 moles. Donc voilà comment ça fonctionne. Après, on refera des exos, on reprendra des exemples. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Et petit à petit, il faut s'habituer à réfléchir avec les quantités de matière et avec les nombres stéchiométriques, hein, un petit peu comme ceci. Ce sont des rapports simples, toujours comme ça. Mais il ne faut pas chercher compliqué, même si c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est pas 3H2 qui est limitant, c'est H2, attention. Il y a 3H2, ça n'existe pas. Hein. C'est H2 qui est limitant. Il est limitant parce que, selon l'équation chimique, 3 comme ça doit réagir avec 1. Donc ici, on voit que si on part des 3 ici, ça réagit avec 1, et là, il y en a 3. Il n'y en a pas 1, il y en a 3. Donc il y en a plus que ce qu'il faut. Donc lui, il est en excès, et c'est lui le limitant, celui qui est en défaut. Il est limitant parce que lorsque lui a été tout consommé, ben là, il en reste 2. C'est pour ça que c'est limitant. Les 2 ici, lorsque cette espèce, le H2, a été tout consommé, du N2, il en reste 2, et les deux ne vont pas réagir.
ils ne seront pas consommés. C'est pour ça qu'il est limitant. Quand lui arrive à zéro, tout s'arrête. Tout s'arrête parce qu'il n'y en avait pas assez au départ, tout simplement. Le limitant, c'est celui qui arrive à zéro, le premier à la fin de la réaction. C'est celui qui fait que la réaction s'arrête. C'est pour ça qu'il est limité. Il limite la réaction. Voilà, non, c'est pas forcément simple. Il faut s'habituer avec ce genre de... Ça tourne autour de ces idées-là. Il faut essayer de voir ce qui est commun à tous ces exos, c'est ces rapports. L'équation chimique, il faut la lire en tant que... on a les nombres de l'équation chimique, les nombres stéchiométriques qui vous donnent en quelle proportion ça réagit. Et ensuite, il faut l'interpréter avec ce qu'on a vraiment mélangé. Non, je sais, c'est pas facile. On n'en a pas d'autres d'exos là-dessus. Pour lundi prochain, il faudrait qu'on se teste avec quelque chose de simple. Il faudrait que je vous laisse un. Il faudrait que, peut-être qu'on se teste sur un petit contrôle, même simple au début. Peut-être qu'on va se maintenir le contrôle pour. Ou alors pour mercredi. Peut-être lundi, on refait des exemples et mercredi, pour mercredi, je vous laisserai un petit devoir maison. Peut-être. Comme ça, on pourra en refaire des exemples lundi. Peut-être c'est mieux. Ce sera sur. Je vous donnerai les espèces chimiques, il faudra équilibrer l'équation. Et ensuite, je vous dirai, par exemple, si on part de 1 mol de l'un et de 2 mol de l'autre, combien ça donne? Ou alors, comme dans l'exo, là, combien faut-il de tel réactif pour consommer tout l'autre réactif? Alors, on va passer au TP du jour. Voilà, je laisserai le devoir maison, le petit contrôle pour mercredi prochain. On écrit. Ensuite. Oui. Ah ben sinon, tu pourras m'écrire, enfin, ouais, que ce soit une question qui ne porte pas sur le sujet. Oui. Alors quand j'essaierai de le placer le. J'essaye si j'ai le temps aujourd'hui ou demain. Je pense que d'ici à demain, je l'aurai fait, comme ça vous aurez le temps de chercher. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai reçu beaucoup, j'ai pas répondu, j'ai pas le temps de répondre à tout ce que vous m'envoyez, donc je ne sais plus après là c'était la première semaine, il faudrait qu'on se. C'est vrai que c'est difficile avec les problèmes de connexion parfois. Mais... Normalement, les devoirs après, il faudrait que je les accepte plus en retard également. Puisque... Mais bon, c'est vrai que c'est difficile dans ces situations. Bon, écoutez, envoyez-moi toujours vos devoirs, même si c'est en retard. Il vaut mieux tard que jamais. Et donc, je ne sais plus si je l'ai reçu. Puisque j'ai tout archivé ce que j'avais reçu, mais. Si je n'ai rien, je t'écris sur Atrium. Je me note aussi. Bien. Alors, on va passer au TP du jour. Notre grand C. Donc, énergie thermique et équation chimique et réaction chimique. Énergie
thermique des réactions chimiques, des transformations chimiques. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vous ai placé je vous ai placé le sujet sur le site, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous remontre le protocole. Donc, on vous disait, on part de la situation suivante. Alors, on va parler aujourd'hui, on va mettre en lien les effets thermiques des réactions chimiques et des dans un cas particulier qui est la réaction acide-base. Donc, on vous dit que le point de départ, c'est les boîtes de conserve auto-chauffantes qui peuvent ressembler à ce genre de choses. Comme ceci, on décapsule et ça chauffe. Elles sont composées d'une capsule constituée de deux compartiments initialement isolés, contenant l'un de la chaux vive CaO solide et qui a une base et l'autre de l'eau, et la rupture de la capsule met en contact les deux espèces chimiques qui produisent une réaction acido-basique à une élévation de température. Les réactions entre les acides et les bases génèrent dégagent de l'énergie, génèrent des élévations de température. Des mesures de calorimétrie permettent de mettre en évidence les paramètres dont dépend cette élévation de température. Alors, la calorimétrie, c'est la mesure des échanges d'énergie par chaleur. Et donc, on mesure notamment, quand il n'y a pas de changement d'état, les températures. Alors, le problème, c'est qu'on étudie l'influence des masses des réactifs sur l'élévation de température par pour une réaction entre un acide et une base, comme je vous disais. Le matériel, vous avez ce qui est décrit ici. Donc, vous avez une burette, la burette ici, burette graduée, dans laquelle on a placé la solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Vous avez dans le bécher en dessous, le thermomètre qui trempe dans la solution aqueuse de base, qui est la solution aqueuse de soude, et tout se fait sous agitation. Il y a l'agitateur avec le barreau aimanté à l'intérieur, et donc ceci permet d'homogénéiser. Alors ici, en fait, de bécher, c'est pas tout à fait un bécher. Je vais préciser quelque chose, c'est que il vaut mieux travailler avec ce qu'on appelle un calorimètre. Donc vous avez la burette, chemin du montage. Vous avez la burette ici qui verse la solution d'acide chlorhydrique dans le calorimètre. Alors ça, je voulais vous détailler, c'est pas un bécher, c'est un ustensile qui est calorifugé, c'est-à-dire qui ne laisse pas passer l'énergie avec l'extérieur, qui évite les échanges, les pertes par chaleur. Et ici, vous avez solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Et dedans, chlorhydrique. Et ici, on a placé une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, c'est de la soude, solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, qui est basique, donc on a une réaction acido-basique. Et le but du TP, donc c'est d'ajouter petit à petit l'acide dans la soude, on mesure les températures associées, on note θ souvent la température en degrés Celsius, donc là c'est en degrés Celsius, le volume est en millilitres, on verse un volume V en millilitres, plusieurs volumes V, enfin une série de volumes V, et on mesure à chaque fois la température en degrés Celsius. Et le but, c'est d'essayer de trouver quelle est la variation de température associée à la réaction, à l'ajout, par exemple, d'un gramme d'acide. Par rapport à ça, oui, tout à fait, c'est un usage unique. Oui, les boîtes qui servent auto-chauffantes, elles ne peuvent pas la réutiliser. Une fois que la réaction est terminée, c'est fini.
Donc, je reprends ici. Donc, on va verser petit à petit la solution d'acide dans la solution de soude. On va mesurer l'élévation de température et en déduire combien, quelle est l'élévation, de combien de degrés un gramme fait élever la température, ou un kilogramme, ou ce genre de choses. Voilà, on va définir un paramètre ici qui permet de quantifier un petit peu l'élévation de température par rapport à la réaction. Et voilà, typiquement, alors que ce soit... Non, bon, on va rester là. Pour un gramme ou un millilitre, après on pourra discuter de ceci. Donc je reprends. On ajoute l'acide dans la solution de base. On relève la variation de température. On tracera un graphique et on arrive comme ça à... On peut conclure sur quelle est l'élévation de température due à un millilitre d'ajout d'acide là-dedans. Alors après, on peut quantifier de manière plus précise les choses, mais ce sera déjà une première approche. Bon, je vous ai mis en ligne le sujet, je ne vous ai pas mis les valeurs, et je vous ai associé à ça pour tracer un fichier Python, je vais vous le mettre aussi. Alors Python, c'est vrai qu'en classe, on utilise beaucoup le Spider, mais je ne sais pas si, pour ceux qui l'ont pas déjà installé, ce n'est pas forcément immédiat à installer à la maison. Il me semble que l'autre, là, est plus simple, le Piso est plus simple à installer, si vous voulez vous entraîner avec Python. Pour ceux qui veulent utiliser Spider, il faut passer par un environnement qui s'appelle Anaconda. Et vous pouvez installer votre Spider à partir de ça. Mais bon, sinon, vous pouvez vous entraîner avec Piso, c'est peut-être, je crois, il me semble plus simple à installer. Alors, voilà la courbe que l'on obtient. Alors ici, on a fait les mesures, on a tracé et on a modélisé. C'est ce que fait le fichier que je vais vous mettre en ligne. Donc voilà la courbe obtenue. Lorsque l'on verse ici donc le volume d'acide qu'on a transformé en masse d'acide, puisque je vous dis que dans le sujet, on vous dit que voilà. Nota bene, un volume de 1 ml de la solution acide, donc la solution qui est dans la burette ici, quand on en verse 1 ml, ça apporte une masse de 7,3 fois 10 puissance moins 2 grammes d'acide, donc 0,073 grammes d'acide. Donc, au lieu de tracer en fonction du volume versé, on a fait tracer en fonction de la masse d'acide chlorhydrique versé. Et on constate quoi? Bien, on pouvait s'y attendre que quand la réaction a lieu, vous voyez, la température, là, c'est la vague, j'ai tracé ici, non pas θ, mais delta-θ. Delta-θ, qu'est-ce que c'est? C'est la variation de température. C'est l'écart entre la température obtenue et la température de départ. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, la température varie relativement peu, parce qu'on a mis de la soude, on a rajouté de l'eau, etc. Donc, il y a les variations, c'est de l'ordre, on est autour de 20 degrés au début, mettons, et à la fin, à 22 degrés à peine, ça varie assez peu. Donc, pour avoir des écarts un peu plus conséquents, j'ai fait un changement d'origine, et on part ici de 0, mais 0, ça ne veut pas dire 0 degrés, ça veut dire qu'il y a un écart de 0 degrés, c'est la température initiale, ça. Ça veut dire qu'en fait, on était à 20 degrés dans la pièce ou 22 degrés, enfin, peu importe. C'était la température de départ. Et ça, ce sont les écarts. C'est de combien ça a augmenté uniquement. Le delta θ, c'est l'écart de température, c'est la variation de température. Donc, vous voyez que la température augmente d'environ 2 degrés hein, lorsqu'on verse petit à petit l'acide dans la base. Donc, c'est bien ce à quoi on s'attendait, à un échauffement. C'est sur cet échauffement qu'est basé le fonctionnement des canettes dont on parlait tout à l'heure. Et au bout d'un moment, vous voyez qu'il y a un palier. Ça ne s'échauffe plus. Est-ce qu'on pourrait m'interpréter ce palier? Après, on interprétera la courbe, la droite qui a été modélisée. On a modélisé la partie augmentation. Mais j'aimerais qu'on me donne une explication pourquoi, au bout d'un moment, il n'y a plus d'augmentation. Alors qu'on continue à verser. Hein. La masse d'acide continue d'augmenter. Là. La masse d'acide continue d'augmenter et il n'y a plus d'augmentation de température. Il n'y a plus de variation de température. Disons, les croix, ce sont les mesures. Les croix, ce sont les mesures qui ont été faites. Et j'ai modélisé, par la droite qui est ici, simplement la partie croissante. Ce qui m'intéressera pour l'analyse ensuite dans le TP, c'est la partie croissante. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai modélisé uniquement cette zone-là. Je n'ai pas modélisé la fin. Alors, ben, température maximale pour l'eau, non, parce que l'eau, jusqu'à 100 degrés, elle peut... La burette, elle va loin, puisque la burette, on continue de verser. La burette n'est pas vide, là. On continue de verser. Il y a
0,6, 0,8, 1 g d'acide, jusqu'à 1 g, la burette n'est pas vide. Tant qu'on peut ajouter de la masse d'acide, c'est que la burette n'est pas vide. Non, ce n'est pas le passage de palier, puisqu'on est loin des 100 degrés là. Puisqu'on était à 20 à peu près au départ. On était à 20 degrés au départ. Regardez, on était à 20 au départ, on est à 21 degrés, 22 degrés là, 22 et quelques. Donc on est très loin du changement d'état. Il n'y a pas du tout de changement d'état là. Ah, voilà, c'est ça. Bon, qu'ils soient mélangés à l'acide, ce n'est pas grave. En revanche, effectivement, c'est qu'il y a une espèce qui a été entièrement consommée. On a ajouté de l'acide et réagissait avec la soude, avec l'hydroxyde de sodium. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? On continue d'ajouter de l'acide, et bien il n'y a plus d'échauffement parce qu'il n'y a plus de réaction chimique. Et pourquoi il n'y a-t-il plus de réaction chimique à partir de ce moment-là? Bien, c'est parce que toute la soude qui était présente au départ, ici, on avait mis dans le calorimètre, dans le calorimètre ici, il y avait de la soude, on a versé l'acide ici, et bien à partir du moment où toute la soude qui était là a été consommée, vous pouvez ajouter de l'acide, la température ne va plus augmenter. C'est pas vraiment, il y a plutôt de l'eau, il y en a, on est en solution aqueuse. L'eau, elle est largement majoritaire, d'accord? C'est tout en solution aqueuse. En revanche, il n'y a plus en bas de HO-. Ce sont les ions HO-. Qui sont en solution. Ici, si je repense sur le tableau, là, ici, ce sont les ions HO-. Il y a Na+, aqueux, plus HO-. Ici, là, dans ce qu'on a mis en bas, l'hydroxyde de sodium, c'est Na+, plus HO-. Donc ici, des HO-, ce sont eux qui ont les propriétés acides. La solution aqueuse acide chlorhydrique, c'est H3O+, plus, donc aqueux, hein, toujours, plus Cl- aqueux. Donc, on ajoute les H3O+, les Cl- ils sont indifférents aussi. Cl- et Na+ sont indifférents au niveau acide base. C'est H3O+ qui va réagir avec Cl-. Donc, on ajoute des H3O+, en fait, sans arrêt. Les HO- ils sont là. Bien, petit à petit, les HO- sont consommés et la température augmente. La température augmente. Et quand il n'y a plus de HO-, la température cesse d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'on ajoute des H3O+ qui ne réagissent plus avec rien. Il n'y a plus de réaction acide base. Ah non, une solution aqueuse, c'est avec de l'eau. C'est une solution faite à partir d'eau. Une solution liquide, c'est une solution qui est à l'état liquide, qui coule, qui n'a pas de forme propre. Un liquide, ça n'a pas de forme propre. Une solution aqueuse est obtenue en mélangeant un soluté dans le solvant qui est de l'eau. Sans le HO-, sans les hydroxydes. Quand il n'y a plus de lui, quand ils ont été totalement consommés, il n'y en a plus. Les H3O+ qu'on ajoute, avec quoi vont-ils réagir? Ben, comme il n'y a plus de E, ils pourraient réagir avec E, mais E n'ont aucune influence, et donc il n'y aura plus de réaction. L'eau n'a pas vraiment d'effet acide base, quasiment pas d'effet acide base. Il peut y avoir de l'eau, ce n'est pas grave. H3O+ en solution aqueuse, ça ne fait rien. Donc ici, je vais reprendre, on va écrire l'équation chimique. Là, il y a écrit Na+ aqueux. Na plus aqueux plus HO moins aqueux. Enfin, ce qui est important, c'est le HO moins aqueux. Le HO moins aqueux, c'est les ions hydroxydes, ce sont eux qui réagissent, et ils réagissent avec, ici, les H3O+. H3O+ aqueux. Mais pour expliquer ce qui se passe ici, vous avez donc tant que vous versez de l'acide, et qui reste, donc de H3O+, en fait, et qui reste du HO- en solution, la température augmente, la réaction a lieu, il y a un échauffement qui a lieu, et puis au partir du moment où vous n'avez plus de soude en solution, vous n'avez plus d'HO-, la température n'augmente plus. Alors, c'est pas le pH, c'est pas le pH, c'est la réaction entre acide et base. Là, il y a un pH qui était faible, il n'y avait pas de la température, c'était ambiante. Là, il y avait un pH qui était élevé, il n'y avait pas de température, enfin, il n'y a pas de variation de température. Quand on a ajouté les deux, quand on met les deux ensemble, oui. Alors, ce qui est une relation, si on mélange une pH, une solution avec un pH, par exemple, faible
et si on la mélange avec une solution de pH fort, si on mélange des solutions de pH différents, là, oui, il y aura une augmentation. La relation, elle est là plutôt. Non, voilà, ils sont spectateurs, exactement. N A plus et Cl moins, là, ils n'ont aucun effet. D'ailleurs, parfois, au lieu du N A plus, on met du K plus, et c'est pareil. Et au lieu du Cl moins, on met du, notre contrion, I moins, par exemple, ça n'aurait pas plus d'effet, ou d'autres ions, ça n'aurait pas plus d'effet. Bon, alors, on va maintenant répondre du TP. Je ne vous ai pas demandé d'écrire l'équation chimique, on va l'écrire quand même. Donc avant même de répondre, on va écrire l'équation chimique. L'équation de la transformation. L'équation de la réaction chimique. On a mélangé H3O plus aqueux avec HO moins aqueux. Eh bien, les deux, ça forme de l'eau, 2H2O liquide. Voilà l'équation chimique. Bon, ça, vous ne pouviez pas la trouver a priori comme ça, donc je vous la donne. Elle est équilibrée, si vous vérifiez. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Question 1. La transformation est-elle endo, exo ou athermique? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux définitions qu'on avait données? Donc là, on a la température qui augmente. Donc l'eau qui est le solvant reçoit les... Alors non, on ne met pas les indifférents, on ne les écrit pas. Non, au contraire, hein, c'est gênant de les écrire. On ne les écrit pas. Alors par rapport à la première question, donc la transformation est-elle endothermique, etc. Eh bien, comme il y a un échauffement du milieu, échauffement du milieu réactionnel, ça entraîne qu'on dit que la réaction est exothermique. Ça, vous devez savoir. C'est endothermique quand il y a une baisse de température, exothermique quand ça fait augmenter les températures. Et athermique, sinon, c'est quand il ne se passe rien. Quel est le réactif A? Donc là, il faut discuter. C'est là que c'est important de bien comprendre ce qui s'est passé. La question, là, elle pourrait être un peu plus précisée. Dans la première partie, jusqu'ici, quand on verse, plus on verse d'acide et plus l'énergie dégage. Ici, quel est le réactif limitant? Eh bien, lorsque vous versez un peu plus d'acide, vous augmentez un peu plus la température. Ça veut dire que tout l'acide est consommé et qu'il reste de la soude. Comment on sait qu'il reste de la soude à ce moment-là? Parce que si on ajoute de l'acide, ça réagit encore. Ici, quand on ajoute donc des H3O+, la température augmente. Et puis, on arrive à ce point-là, mettons. Et là, on prétend qu'il reste de la soude, il reste du HO-. Comment le sait-on? Parce que si on ajoute encore de l'acide, des H3O+, ben, la température augmente encore. Donc, quand on ajoute ce qui est dans la burette, ici, la température n'arrête pas d'augmenter. Ça veut dire que ce qui est dans la burette, c'est le réactif limitant. Et puis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe, c'est que il y a un changement de réactif limitant. Ici, il n'y a plus de soude. À partir de la masse égale à 0,5 mg d'acide, la soude devient limitante. Tout l'acide qu'on peut verser en plus ne changera rien, il ne réagira plus, parce qu'il n'y a plus d'HO- pour le faire réagir. Donc on va noter ça rapidement. J'essaie de le résumer. Alors, situation de...
delta θ augmente, la température augmente, tu écris la température augmente, c'est pareil, quoi. Θ augmente. Plus on verse. Plus on verse de H3O+, donc ce sont les ions qui sont dans la burette, plus la réaction a lieu, H3O+ est limitant. Il reste H au moins pour réagir dans la suite. Ça, c'est une première idée qu'il faut comprendre. Est-ce que cette première idée, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? J'essaie de cadrer. Alors, question. Dès que la soude est consommée, elle devient inutile. Mais disons, quand H3 plus on le sec de la soude, ça se transforme en H2O. Ça se transforme en H2O. Donc, quand il y a, au début, il y avait beaucoup de soude. Là où il y a le thermomètre, dans le milieu H3O+. Donc en bas, au début, on n'a que du HO-. Donc au début, on n'a que du HO-. Puis on verse du H3O+. Il se forme du H2O. Donc le HO- diminue un petit peu, la température augmente. On continue de verser du HO-, du H3O+, pardon. HO- diminue encore plus. Matière en HO. Excuse-moi. Au fur et à mesure qu'on verse du H3O+, au fur et à mesure qu'on verse le H3O+ qui est dans la burette ici, le HO- qui était en bas, dans le calorimètre, diminue. Donc au fur et à mesure qu'on verse le H3O+, il y a de moins en moins d'H-. Et la réaction entre deux formes de l'eau. Donc après, il n'y a plus d'effet. Et donc dès qu'elle est consommée, quand elle est consommée, elle est transformée avec ce qui a été ajouté en H2O. C'est pas qu'elle devient inutile, c'est qu'elle est, elle n'est plus sous forme d'H-. Elle n'existe plus. Il n'y a plus d'ion hydroxyde H-. Donc au fur et à mesure qu'on verse cette espèce, celle-là est consommée. Donc c'est ce qui se passe ici. Et donc la température. Et une fois qu'elle est consommée, en revanche, elle ne pourra plus réagir avec le H3O+ suivant qu'on a inversé ensuite. Donc ça, c'est la première situation. Et la deuxième, c'est lorsque θ n'augmente plus. Deuxième situation. Θ reste constante même si on ajoute H3O+, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que H3O+ n'a plus rien avec quoi réagir. Donc, je vais éviter la flèche parce que la flèche c'est pour les équations chimiques. Donc, H3O+ n'a plus de réactif avec lequel réagir. Deux points. H au moins est en défaut, a totalement disparu. Donc c'est lui qui est en défaut même. H au moins a totalement disparu.
H au moins est limitant, est en défaut. Quelle espèce limitante ? C'est pour expliquer ceci, pour interpréter, disons, le palier qui est ici. Alors, le palier qui est ici, on peut ajouter autant d'acide qu'on veut, ça ne va plus augmenter la température, même ça va la faire diminuer à cause d'un petit peu de dilution. J'attends vos remarques sur la question 2. Bon, s'il n'y a pas de remarques, je vais passer à la question suivante. Alors, on vous demandait ensuite, question 3, que vaut la variation de température si la masse d'acide ajouté vaut 1 g. Je vais peut-être laisser l'équation, mais je vais laisser l'équation. Donc, question 3, que vaut la variation de température si la masse d'acide ajouté vaut 1 g? Alors, là, c'est l'interprétation graphique. On a ceci. On a cette courbe et on a la modélisation. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette modélisation? Si on la regarde, là, on a une droite qui est affine, qui est en fait quasiment linéaire. Elle passe par l'origine. On voit que le coefficient directeur, je vais vous l'écrire. On a l'analysation qui nous dit que la variation de température, delta θ, est égale à A, coefficient A, fois la masse d'acide, plus B. Le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Le coefficient B, ici, vaut 0,02. Alors, si on compare avec la valeur de A fois M1, si on compare avec ceci, on voit que B est bien plus petit. Donc, on peut dire que delta θ, c'est environ A fois M1 avec le A qui vaut 2,98. Le A, il vaut presque 3. Mettons 3,0, allez, fois M1. D'accord? Lui, restant plus petit que le produit des deux. Comment on interprète ceci? Ben, on connaît la variation de température lorsqu'on a ajouté une certaine masse acide maintenant dans la solution. Et qu'est-ce que ça nous donne ceci par rapport à notre question? On vous disait que vaut la variation de température si la masse d'acide ajoutée vaut 1 g. Si MA est égal à 1 g, delta θ vaut environ 3,0 degrés Celsius. Ça veut dire que chaque fois que vous ajoutez 1 g d'acide, vous augmentez la température de votre solution de 3 degrés. D'accord, c'était le sens ici en fait de la pente du coefficient directeur de la droite. La droite, elle vous dit de combien varie la température lorsque la masse varie de 1 g. Vous avez vu ça, YB moins YK sur YB moins XA, généralement en maths on écrit comme ceci pour avoir la pente, le coefficient directeur de votre droite. Et donc, là, on arrive au résultat du TP, finalement, qui est que dans cette situation, la réaction est exothermique et qu'on peut prévoir déjà que si on veut augmenter la température, si on veut augmenter la température de la solution de 3 degrés, ben, il faut faire réagir 1 g d'acide dans la soude dont on avait parlé. Donc, si vous voulez chauffer votre café, là, qui fait, vous voulez le chauffer de 10 ou 20 degrés ou de 30 degrés, si vous voulez chauffer de 30 degrés, il faudra prendre 10 g d'acide, faire réagir. Alors A et B, ce sont les coefficients directeurs de la droite.
les coefficients directeurs et leur donner l'origine de la droite. Alors, je vais expliquer peut-être ceci, reprendre. Lorsque vous avez, je fais en maths, lorsque vous avez y et x ici, et que vous avez une droite affine, l'équation de la droite s'écrit y égale ax plus b. Ça, c'est l'équation d'une droite de manière générale. Et a et b, ce sont les coefficients. A, c'est le coefficient directeur de la droite. Le a, c'est delta y sur delta x. Et b, c'est l'ordonnée à l'origine. B, on le voit ici. Donc, dans notre cas, le b, il est quasiment nul. Si on prolonge, ça fait 0. Et pour avoir le a, le coefficient a, il faut calculer le delta y sur le delta x ici. C'est-à-dire, lorsqu'on avance x de 1, de combien il y a le a, il vaut delta y sur delta x. Et on le traduit en disant parfois que si on avance x de 1 unité, alors y avance de a unité. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé et la machine le fait dans Python, il y a une fonction pour ça qui modélise. Là, j'ai fait modéliser que cette partie. Pareil, je vais vous mettre aussi le programme Python si vous voulez jeter un œil. Où parmi toutes les valeurs, on choisit de modéliser une portion de ces valeurs-là. Et on modélise ça par une droite. Et là, le logiciel vous donne directement, d'accord, le système de modélisation vous donne directement les deux paramètres de la droite, l'ordonnée d'origine et la pente. On peut le vérifier, si vous prenez deux points sur la droite, vous faites ça divisé par ça, vous allez retrouver le quasiment 3. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce niveau-là? Donc ça, c'était le traitement. C'est le traitement, en fait, la question 3, c'était le traitement numérique des données. Et on en tire, donc, on en tire cette information qui est que avec ce système, à chaque fois qu'on ajoute 1 g d'acide, on a une augmentation de température de 3 degrés. Donc comme ça, on peut contrôler ce que l'on veut. On peut contrôler la température que l'on obtient. On peut prévoir et puis on est parvenu à modéliser notre système. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est bon. Je reprends. Donc ici, l'idée, c'est que on a relevé pour chaque valeur d'acide versé les températures correspondantes. Donc là, on a tracé après les variations de température en fonction du volume versé. Donc ça, c'est une chose. En fonction de, et donc ensuite, on a calculé en fonction de la masse d'acide versé. Donc on avait, je rappelle, hein, ici, on avait de l'acide là-dedans, du H3O+, on le verse petit à petit. Là-dedans, on avait de la soude H-, et on relève avec le thermomètre les températures à chaque fois qu'on ajoute 1 gramme, 1 millilitre, et donc quelques grammes d'acide. On a une conversion entre les millilitres et les grammes, donc on sait que lorsqu'on verse tant de grammes d'acide, la température elle a augmenté de tant de degrés. Donc c'est ce qu'on a tracé ensuite. On a tracé ici la variation de température. La variation de température ici, c'est ce qui est en ordonnée, en fonction de la masse d'acide ajoutée. Donc on voit que ça a augmenté, puis après ça stagnait, on a vu que ça stagnait parce qu'après il n'y avait plus de soude. Mais on s'intéresse à l'augmentation et on veut savoir si on ajoute, on se ramène à ceci, si on ajoutait 1 g d'acide, de combien la température augmenterait-elle? Donc pour savoir ça, on va faire une extrapolation finalement. On va prendre cette portion de nos mesures, on modélise par une droite, dont on connaît l'équation ici, et une fois qu'on a trouvé l'équation de la droite, on peut dire si la masse d'acide MA, c'est ça, l'équation de la droite, qui se résume, qui se simplifie comme ceci. Et donc une fois qu'on a l'équation de notre modèle, qui est l'équation de cette droite-là, on peut dire maintenant, pour n'importe quelle valeur d'acide que j'ajoute, je peux trouver la variation de température. Donc c'est une démarche qui est courante en science, hein, où on fait un modèle, et on utilise le modèle ensuite pour trouver des valeurs. Alors ici, ça suppose que... ça suppose que notre modèle est valable, donc là il est valable ici, et si on avait eu plus de soude, si la soude n'était pas limitante, ben ça aurait continué à augmenter, ça suppose ça. Bon, a priori, ce n'est pas... Donc là l'idée c'est de dire qu'une fois qu'on a le modèle, on sait que la variation de température est environ égale à 3 fois la masse en grammes.
Et donc, la variation de température en degrés est environ 3 fois la masse en grammes. Donc ici, maintenant, quelle que soit la masse en grammes, on peut trouver l'augmentation. Et en particulier, on vous dit que vaut la variation de température si la masse d'acide ajouté vaut 1 gramme. Donc pour une masse de 1 gramme, je remplace MA par 1 gramme, je trouve que delta θ vaut 3 degrés. Si on avait ajouté 1000 grammes, ce serait 3000 degrés. Donc là, il y aurait des effets supplémentaires. Le modèle serait sans doute ne serait plus bon. Ne serait-ce que parce qu'après, lorsqu'on arrive, comme vous avez fait la remarque, lorsqu'on arrive à des températures très élevées, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir ébullition. Et dans ce cas-là, ça ne marchera plus notre modèle. Il faudra le changer. Et puis, il y a autre chose qui va jouer, en fait, dont on a parlé. Où est-ce que ça pose problème, notre expérience? Là, qu'est-ce qui va... De quoi on ne tient pas du tout compte, dans notre expérience? On ne tient pas du tout compte des pertes ici, thermiques. Alors ici, c'est justifié parce que je vous avais dit que la variation de température est faible. On est à 1 degré, etc. Mais si on a une variation de température beaucoup plus grande, l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur sera plus important et il y aura davantage de pertes. Et le modèle ne sera pas. Voilà, donc il y a des limites au modèle. Un modèle, c'est valable pour une certaine gamme de valeurs, de données. Donc l'expérience en soi et l'interprétation n'est pas forcément effectivement immédiate. C'est comme parfois dans les expériences, on a un dispositif qui permet d'avoir le résultat, lui, voilà, il faut retenir une variation linéaire si on prend les variations de température. Cette variation qui dit que plus la masse de réactifs ajoutés est grande, et plus la variation de température est grande. Voilà, si on veut retenir quelque chose de simple, c'est ça. Lorsqu'on a une réaction qui est comme ici exothermique, plus on fait réagir d'un des réactifs, et plus la température, l'augmentation de température sera grande. Alors si maintenant on a une réaction qui est endothermique, qui absorbe de l'énergie, on aura un delta θ négatif, on aura la température qui sera plus faible, mais ce sera pareil, on aura par exemple delta θ égale moins 3 MA. Donc l'idée à retenir simple, c'est que lorsqu'on a une réaction donc, exothermique, la variation de température est d'autant plus grande que la masse de réactif est d'autant plus grande. Compris ? La remarque d'Adrien. Alors là, elle est constante. Là, on a une augmentation qui est constante pour l'instant, sur ça. Non, elle est constante là. On a une. Si c'était exponentiel, ça aurait cette forme. Si c'était exponentiel, ce serait pas comme ça. Là, ce serait comme ça. Ça augmenterait de plus en plus vite. Ici, voilà. La tangente serait de plus en plus... Ici, on a une pente qui est constante, et donc une augmentation qui est comme ça, c'est une augmentation qui est affine, ou linéaire, ici. Et non, c'est pas exponentiel. L'exponentiel, c'est quand on aurait comme la droite, enfin, c'est une courbe, l'exponentielle. Et donc, on a une tangente qui est de plus en plus penchée, comme ceci. Alors, la fin n'est pas verticale, hein. J'ai fait du vertical. Elle continue d'augmenter. C'est comme ça. Ça montre que si je dois dessiner la courbe, là je vais effacer ceci. J'espère que vous avez compris l'idée principale qui est que plus la masse du réactif, alors c'est du réactif limitant, augmente, et plus la température augmente. Simplement, vous entendez parfois parler d'exponentielle, de variation exponentielle. Ça, c'est une augmentation comme on a eu. Qui est linéaire, celle-ci c'est affine, affine c'est une droite mais qui ne passe pas par l'origine, ça c'est linéaire, nous on avait une affine mais très très proche de zéro, donc c'est quasiment linéaire, et exponentielle c'est ceci comme courbe, ça ne part pas de zéro, mais ça part de 1 ici l'exponentielle, la courbe exponentielle fait ça. Elle augmente de plus en plus comme ceci. Donc nous, non, c'était une augmentation suivant une droite, qu'elle soit affine ou linéaire. Donc, petit 4, c'est ça qui est central, qu'il faudra retenir, c'est la conséquence du 3 en fait. Donc on a vu que la température augmentait lorsque
l'ajout d'acide était plus important quand c'était le réactif limitant. Donc, la question 4, quelle est l'influence du réactif limitant sur l'énergie mise en jeu d'une réaction chimique? Plus la masse du réactif limitant est grande, et plus mise en jeu est grande. D'accord, c'est ce qu'on a vu à l'instant avec la courbe précédente. Alors, question 5. D'abord, j'attends à ce qu'il y ait des remarques sur ça. Je pense que ça revient bien à ce qu'on a dit là, hein, c'est ce qu'on voit ici. Là, on ajoute. Ici, on a dit que le H3+ était le réactif limitant. Plus on en ajoute et plus l'énergie dégagée est grande, donc plus la température est grande. D'accord? J'espère maintenant que vous arrivez à comprendre mieux cette courbe avec tout ça. Tant qu'il est réactif limitant, plus on en ajoute, plus la température augmente. Et puis après, quand c'est la soude qui devient limitante, la température n'en monte plus parce que la soude, on n'en ajoute pas. La soude est toujours la même quantité en bas dans le flacon, dans le calorimètre. D'accord? Plus on ajoute de ce qui est là, plus la température augmente, et puis parce qu'il est limitant, puis quand c'est lui limitant, ben, il n'y a plus rien qui augmente, puisque ce qui est dedans, on n'ajoute pas. On avait mis de la soude au départ, on n'en a pas ajouté après. Bon, s'il n'y a pas de remarques, je vais effacer pour répondre à la dernière question, encore que... non, on peut le faire à la fin, pas besoin d'effacer. Alors, question 5, on vous dit... Selon vous, que vaudrait la variation de température si l'on divisait par 2 la masse totale du milieu réactionnel? Donc, si on suppose qu'il y a la même réaction chimique, donc même réaction chimique, mais pour une masse totale, pour un milieu total, on divise par 2 la masse totale du milieu. Donc pour une masse totale, 2 fois plus petite, 2 fois moindre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je réponds pour Adrien, hein. La question c'est si on met ici beaucoup de soude au départ, que ce soit un volume ou autre chose, si on met beaucoup de soude au départ, qu'est-ce qui se passe? Il y a des limitations. Déjà, si la concentration en soude augmente, au bout d'un moment, elle ne sera plus soluble. On atteint la limite de solidité. C'est quand vous mettez trop de sel dans de l'eau, à la fin, vous n'arrivez plus à le dissoudre, il reste au fond du sucre. Donc, il y a cette limite, on ne peut pas mettre autant de soude qu'en solution aqueuse. Ensuite, quand on verse l'acide, lorsque la température va augmenter, lorsqu'il y aura une grosse différence de température entre l'intérieur et l'extérieur ici, il y aura plus de pertes d'énergie sur les côtés. Ça va réchauffer aussi l'air ambiant. Donc il y aura des pertes, donc la variation de température sera moindre. Et enfin, si on arrivait même à 100 degrés, ben, il y aurait ébullition, c'est tout. Et puis, pardon. Il y avait une question aussi de Sanda, mais j'ai pas vu. Ah, pardon, la 5, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais pas compris le votre remarque. Donc là, j'ai repris l'énoncé de la question 5, en fait. Mais oui, c'est pour ça que j'ai pas. Là, j'ai repris l'énoncé. D'accord. On fait la même réaction. Donc, oui, j'avais sauté du coq à l'âne. Donc pour Adrien, donc il y a une limite, il y a des limites. D'accord. Il y a des limites, et ne serait-ce qu'on ne va pas atteindre au-delà de 100 degrés déjà pour de l'eau liquide. Même s'il y a un mélange, ça augmente un petit peu, mais on ne va pas non plus.
changer beaucoup. Et en plus, il y a des limites qui font que pour être en solution aqueuse, on peut pas mettre trop de soude en solution aqueuse. Il y a des limites à ça aussi, sinon ça fait comme j'ai expliqué. Donc oui, il y a des limites. On peut pas aller où on veut, avec la valeur que l'on veut. Ensuite, pour revenir à la 5, on part sur la même réaction, mais cette fois-ci, dans le milieu réactionnel en bas, on a divisé la masse totale par 2. Alors selon vous, on vous dit, est-ce qu'on peut, que selon vous, que vaudrait la variation de température? Est-ce qu'on pourrait écrire une nouvelle... Voilà, enfin, elle viendra plus vite. La réaction, elle est toujours instantanée. En revanche, il y a quelque chose qui augmente, oui. C'est pas que la réaction a lieu plus vite. La réaction, dès qu'on mélange, ça réagit. Ça, c'est instantané. En revanche, qu'est-ce qui augmentera? Quelle est la grandeur qui variera davantage? Donc, lorsqu'on a une réaction chimique, ça dégage de l'énergie. Elle est ici, exothermique, celle-ci. Elle dégage son énergie, et cette énergie, on a vu qu'elle servait, quand on la voyait, qu'elle se manifestait par une augmentation, voilà, la chaleur est plus grande et donc l'augmentation de température est plus grande. Donc ce qui augmentera, ce sera la température. Pour la on peut ajouter, si on divise la masse du milieu réactionnel par 2, si elle est deux fois moindre, on peut s'attendre à ce que... Donc, j'ai fini de rédiger ici pour la 5. Voilà, c'est la température pour être précis. La chaleur, c'est l'échange d'énergie et ça se manifeste par des variations de température générale, par des changements d'état. Donc, deux fois plus rapide. Et est-ce qu'on peut même écrire, on peut même prévoir, hein. Puis après, il faudrait faire la manip, mais est-ce qu'on peut prévoir du coup la fonction qu'on obtiendrait? Ben, on a vu que delta, enfin, je vous laisse un petit peu imaginer, est-ce qu'on peut prévoir même le modèle qu'on obtiendrait par rapport à ce qu'on a dit avant? Alors, c'est la même énergie, on va supposer, oui, qu'il y a la même énergie qui est dégagée. L'énergie dégagée, elle est constante, mais dans un volume qui sera deux fois plus petit. Tout à l'heure, on avait une delta θ qui était égale... Oui, alors après, il y a des problèmes, effectivement, avec la fin de la courbe, mais je ne rentre pas dedans pour l'instant. Je dis, supposons que le seul paramètre qui change, pour tout est pareil, sauf qu'on a divisé par deux le volume du milieu réactionnel, c'est tout. Le seul paramètre, c'est ça. En fait, il y a deux fois moins de matière. Donc, l'énergie qui se dégage, elle servira à chauffer finalement deux fois moins de matière. Oui, mais là, vous avez, les variations étaient faibles. Faut pas chercher les valeurs extrêmes. On avait des variations de 2, 3 degrés. Qu'est-ce qui se passe si on a une masse deux fois plus petite, ben tout simplement, la variation sera deux fois plus grande. Et donc, l'eau peut être chauffée jusqu'à 100 degrés, ça oui, ensuite elle boue, elle ne peut pas chauffer au-delà. Mais là, tout à l'heure, on avait delta θ égal à trois fois la masse du acide. Donc là, on peut s'attendre à ce que la variation de température ne soit pas égale à trois fois la masse de l'acide, mais à six fois la masse de l'acide. Comme il y a deux fois moins de matière à échauffer, on peut s'attendre, faudrait le vérifier. On peut s'attendre à une augmentation de température. Et ça, ce serait à la fin du TP, on peut refaire une mesure, une ou deux mesures pour vérifier cette hypothèse. Voilà, et on voit que c'est à peu près vérifié. Bon. Allez, aux erreurs près, aux heures de mesure près.
Bon, de mon côté, c'est voilà, donc la conclusion de ce TP, c'est vraiment ceci. Quand on a une réaction exothermique, il y a une augmentation de la température du milieu réactionnel. Si c'est endothermique, c'est vous augmentez la variation de température. Donc si elle est à la hausse, vous augmentez la température. Si elle est à la baisse, vous la diminuez. Si c'est endo ou exothermique. Et donc ce TP, là, cette manip, hein, les classiques pour étudier ceci. On a un acide ou une base, une burette, une base et un acide dans le calorimètre, on mesure les températures correspondantes. Alors c'est vrai qu'il y a toute une. La démarche n'est pas forcément tout. Enfin, tout le TP, la démarche et le traitement mathématique que l'on fait, bon, il faut construire tout ça, donc c'est normal, ce n'est pas immédiat. Néanmoins, le réactif limitant augmente et plus la variation de température est importante. Voilà, c'est ce qu'on va retenir. Ah, il y a peut-être une connexion qui fluctue ce matin. Bon, écoutez, on va écrire le à retenir, voilà, à la fin du TP. Comme ça, on aura la conclusion. S'il vous manque des détails de la démonstration, ce n'est pas essentiel. Mais ce qu'on va retenir, c'est le suivant, notamment pour les exos. Je pense que je vous ai déjà mis sur Pronote les exos. Donc, on est à la fin, en conclusion, à retenir. Donc, il y avait les natures endothermiques, exothermiques, comme ça, je crois qu'on l'a déjà écrit. On peut être le remettre. Une réaction exothermique. Si elle dégage de l'énergie. Endothermique si elle en absorbe et athermique sinon. Athermique, il y a un A là, c'est le A privatif, on dit. Athermique, si, non, c'est-à-dire si ni l'un ni l'autre. Première chose. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on a obtenu ce matin en TP. La conclusion qu'on avait dite dans une question, hein, qui était que. J'écris là. Deuxième chose. Plus. De réactif limitant grande, l'énergie thermique échangée, transférée. Est grand plus l'énergie thermique transférée est grand, plus
la variation de température. Est importante. Alors, la première partie ici, on en avait déjà parlé. Ceci, on avait déjà écrit à revenir. Et donc, c'est la nouveauté du jour, c'est l'aspect énergie thermique et l'aspect température. On peut retenir cette chose simple, hein, que plus la masse de réactif émettant est grande, et plus l'énergie échangée et transférée est grande, et donc plus la variation de température sera importante. À la hausse ou à la baisse. Si vous avez une réaction endothermique, c'est à la baisse. Ça vous fait baisser la température. Je vous ai écrit sur Pronote les exos. Je vous ai laissé, je crois, déjà sur Pronote les exos. Sinon, je regarderai tout à l'heure, je vérifierai. Il y en a quelques-uns dans le livre qui sont intéressants. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon je vais vous laisser avec les exercices et avec ces idées-là. Moi, j'ai noté ce que je dois faire. Ah oui, le devoir maison pour un audit pour mercredi. Et que je vérifie pour Paul-Antoine si j'ai reçu. Les équations équilibrées, oui, et puis je donnerai aussi une quantité de matière à trouver, par exemple, si on part de 3 moles de ça et de 2 moles de ça, combien on trouve, voilà, ce genre de choses. Équations équilibrées et les utiliser dans un cas très simple. Ah oui, je vais écrire alors. Pour Elisa, ok. Je regarderai. Vous avez des questions, sinon, je pense que là, l'idée la plus. Enfin, si vous n'avez pas retenu le détail de tout le TP, vous pouvez retenir. Voilà, l'essentiel est là, et c'est ce qui va être utile après dans les exos. Ah oui, pour Jade aussi, je regarde. Oui, je les ai eus. Alors, si vous les avez envoyés, il n'y a pas de raison. Si je n'ai pas reçu, vous devez avoir un message d'erreur, comme quoi de non-distribution. Si vous n'avez pas de message de non-distribution, je les ai. Bien. Bon, écoutez, je vais vous laisser avec les exos. Et je vous poste le devoir maison. J'essaye aujourd'hui, sinon demain. Enfin, c'est pour mercredi, ça va, vous aurez le temps. J'espère que tout se passe bien, sinon. Et je vous dis bon courage, travaillez bien. Nous nous retrouvons lundi à 14h pour corriger les exercices et je verrai si je compléterai éventuellement par quelques informations. Les exos, je les ai mis sur Pronote, ou sinon je les mettrai sur Pronote comme d'habitude. Quoi. Je mets les exos sur Pronote à votre page pour lundi prochain. Qu'est-ce que j'ai mis ?
Non, c'est pas ici, c'est le 25. Est-ce que je vous ai mis des exos? Non, je ne les ai pas encore, je les ai pas encore posés. Je les ai mis sur Pronote, alors, comme d'habitude. Bien, je vous dis bonne journée, à lundi, travaillez bien et surtout portez-vous bien.